je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Ah, qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Oh! Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Hein? Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin. Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin! Et il progresse rapidement en raison du vent. Et il progresse rapidement en raison du vent! On s'en occupe, chef! Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin. Tout de suite, Sam! Très fière de toi. Oh, elle m'a touché l'épaule. Je ne laverai plus jamais mon gilet. Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet. Oh. Voilà, tonton Sam. Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse. Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter. Suis-moi, Julie. Allons éteindre ce feu. Je suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest, je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophes jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Wow! Oh, que
quelqu'un arrête ce vacarme. Wally Wizzo, le grand sorcier, est suspendu à une tyrolienne au-dessus des chutes d'eau. Il a le pied pris dans son écharpe qui s'est bloquée dans la tyrolienne. J'aurais dû me douter que ça allait arriver. Qui m'a offert cette écharpe et elle n'est vraiment pas très solide. Oh, le sauvetage ne tient qu'à un fil. Je peux à peine regarder. Oh, j'espère que tonton Sam va arriver à temps. Moi aussi, je n'ai presque plus de mémoire pour enregistrer. Ah, je te tiens. La marée est très forte ce soir, Julie. Ils peuvent être à des milles d'ici à l'heure qu'il est. Commence les recherches au nord, Ben. Sam est aussi à leur recherche. Message reçu, Julie. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Tenez bon! Je viens pour vous sauver! Regarde! C'est sûrement Sam qui l'a envoyé! Regardez, c'est Sam! On est vraiment très contents de te voir enfin, Sam! Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien, Sam. On est juste un peu mouillé. Bon, les secours arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de l'eau. Vous devriez pourtant tous le savoir. On ne part jamais en bateau comme ça sans dire à quelqu'un où on va. En plus, vous n'aviez même pas de gilet de sauvetage ou de fusée de détresse. On est vraiment désolé, Sam. Vous avez eu de la chance que Nicolas et Anna étaient à votre recherche. Sinon, personne n'aurait su que vous étiez en danger. Nous sommes terriblement navrés que notre société secrète ait causé tellement de problèmes, Sam. Tu as entendu ça? Il vient juste de le reconnaître. C'est bel et bien une société secrète. Ils essayaient de faire venir les habitants de la Lune sur Pontypandy et nous, les enquêteurs de mystère, on a réduit vos plans à néant. Non, ce ne sont pas les habitants de la Lune qui nous intéressent. Leur société a pour but d'observer les étoiles. Oh, je vois. Mais comment tu pouvais le savoir, Anna? Enfin, je veux dire, agent Barquette. Moi aussi, je suis une enquêtrice de mystère. T'as oublié? Enfin, disons que j'ai regardé sur leur ordinateur. Mais alors, pourquoi autant de secrets autour de tout ça? Parce que nous avons découvert une nouvelle étoile et c'est nous qui allons lui donner un nom. C'est bien ce que je pensais. Vous allez être très déçus. Selon le site officiel d'observation des étoiles, celle que vous vouliez observer ce soir a été découverte le mois dernier. Oh, ils nous ont devancés. Voilà! Les enquêteurs de mystère ont résolu un nouveau mystère mystérieux. Au fait, Sam, est-ce que tu voudrais rejoindre notre équipe d'enquêteurs? Hein? Non, merci, Nicolas. Je préfère laisser les enquêtes à deux experts comme vous. Oh, il était sur le point de dire qui était le voleur. Personne ne verra la fin du film tant que ce chat ne sera pas remis dans sa cage. Très bien, ça va, je m'en occupe. Je ferai tout pour savoir qui l'a fait. Fais attention, Nicolas. Enlève ta queue puante de mon visage. Ce chat commence sérieusement à m'énerver. Nicolas, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Mais où est-il passé, ce chat? Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire peur. Je n'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'on a un problème. Oh, je vais chercher papa. C'est fermé à clé. On est coincé. Vite. Faites quelque chose. Je
pompiers. Sam, voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur. Merci, Elvis, mais je crois que je... Un incendie s'est déclaré chez les Caro. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Un incendie s'est déclaré chez les Caro. Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur. Oh non! Il y a le feu à la maison! Encore! Oxygène 100%. Nicolas, Marie, Anna, mettez-vous le plus loin possible de la porte d'entrée. Tu es prête, Julie? Je suis prête, Sam. Restez au fond de la pièce! Prenez ma main. Restez le plus proche possible du sol. Je vais vous conduire dehors calmement un par un. Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter. Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison. D'accord, Nicolas, je vais le chercher. De faire un horrible cauchemar. J'ai rêvé que Nicolas Prime lançait une fusée éclairante dans le panier à linge, ce qui mettait le feu à ma maison. Oh, ce n'était pas un cauchemar. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Caro. En voulant lancer une fusée éclairante, Nicolas Prime a mis le feu à la maison de la famille Caro. Elvis, restez à l'extérieur pour éteindre l'incendie. Julie et moi, on va voir s'il y a des personnes à secourir. Oui, Sam. La porte est verrouillée. Je vais devoir l'enfoncer. Incendie! Calme-toi, Nicolas. Ce n'est que moi. Au secours! C'est la voix de Marie. Julie, emmène Max et Nicolas dehors. Je monte à l'étage. Allonge-toi par terre et éloigne-toi de la porte. J'arrive. Tu n'as plus rien à craindre. Non, 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 ça ne fait pas partie du spectacle. C'est... Écoutez-moi attentivement. Vous devez évacuer les lieux sans perdre un instant. Oh,
Le centre d'activité montagnarde a pris feu et mon spectacle a pris l'eau. Le centre d'activité montagnarde a pris feu et le spectacle du commandant Steele a pris l'eau. S'il vous plaît, messieurs, dames, dépêchez-vous de vous éloigner des flammes. Par ici, portillon. J'ai un souci, commandant. Le tuyau est beaucoup trop court. Bon, puisque c'est comme ça, on va devoir éteindre l'incendie comme au bon vieux temps. Je vais vous demander à tous les trois de prendre un seau et de former une chaîne jusqu'au lac. Avant toute chose, il faut vérifier que tout le monde a été évacué. Entendu, Sam. Tom, un feu s'est déclaré au centre d'activité montagnarde. On a besoin de Wallaby 2. Bien reçu, Sam. Sam, Elvis, Julie, oxygène, 100%. Au secours! Au secours! À l'aide! C'est la voix de Mathieu. Mathieu, Nicolas, je vais vous demander de me suivre en gardant votre calme. Vous ne risquez plus rien. D'accord, tonton Sam. C'est bon, Sam. C'est bon, Sam. Tu peux y aller, Tom. Bien sûr, Sam. Tout le monde est prêt? Alors, on va se passer les seaux exactement comme dans le spectacle. Passe, passe, passe. Passe le seau à ton voisin. Passe, passe, passe. Passe-le à droite. Verse, verse, verse. Verse dans de l'eau bien fraîche. Tiens le bien, tiens le droit sans avoir les mains moites. Mon père serait tellement fier de moi. L'incendie a été maîtrisé. En effet, c'était plus rapide avec l'hélico. Hein? Petit monstre à poils longs a fait un gros trou dans mon navet. Il faut absolument qu'on capture Ernest avant qu'il ne finisse par gâcher le concours. C'est pas vrai. Ce petit chenapan a volé ma plus belle carotte. Oh là là! Ernest! Ernest! Ouh! Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc! Ellie, peux-tu passer au parc pour chercher Sam, s'il te plaît? Oui, chef! Tiens, Elvis, ramène Ernest à la caserne pendant que je vais porter secours à Mathieu. Entendu, Sam. Ellie, suis cette citrouille géante. Panique, Mathieu, on va t'aider à sortir de là. Écoute, pour commencer, tu vas essayer de te pencher vers moi. Impossible, tonton Sam, je suis attaché à la citrouille par un harnais. La vie n'est pas de tout repos à Contipendé. Il va falloir agir vite, Sam, on se dirige vers la falaise.
Oh, elle a bien dit falaise. Hop! Ah! Ne me quitte pas des yeux, tu as compris? Sam, la portière s'est refermée à cause du vent, tenez bon! Où est-ce qu'elle va? Ne t'inquiète pas, elle va revenir. On va tomber de la falaise. Non, Mathieu, ça ne risque pas. Salut, c'est bien vous qui avez besoin d'aide? Et pourquoi elle roule en marche arrière? Pour que le vent maintienne la porte ouverte. Oh. Accroche-toi! Bon, après avoir terminé les réglages nécessaires, maintenant, on va pouvoir faire une nouvelle tentative. Oh. C'est moi qui dois changer de lunettes ou c'est lui qui a l'air de mauvais poil? C'est pas un problème de lunettes. Oh, misère, oh, misère, oh, misère. Il n'y a rien à signaler dans les rues de Pontypandy, une fois de plus. On va réussir à passer tout le mois sans avoir un seul incendie. On ne sait jamais. Le pire est si vite arrivé. Regardez! C'est le chien pompier 2000. On dirait que c'est une mission pour Atomic Mathieu. Sois prudent, je t'en supplie. Aïe, aïe, aïe! Le système d'identification biométrique semble considérer toute personne comme une menace potentielle. Et quoi? Dès qu'il voit quelqu'un, il se met à l'attaquer. Super Nicolas, l'invisible, a beaucoup plus de chances d'écarter le danger que ce minable Atomic Mathieu. Sois prudent, Nicolas. On n'a pas besoin d'être prudent quand on est invisible. Ce qui veut dire que... Attendez une minute, vous voyez? Il n'y a pas que tu sais, tout le monde te voit. Si je comprends bien... Le chien aussi, il me voit. Sauve-toi en vitesse. Aïe, 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 pourvu qu'il ne s'approche pas des bidons d'essence. Oh, oh, mieux vaut appeler Sam le pompier. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Le chien pompier 2000. Il risque de faire de gros dégâts. Mieux vaut prendre Jupiter. Julie, on va avoir besoin de toi. J'arrive tout de suite. N'approchez pas. Il faut maintenir une distance de sécurité. Super Nicolas est fichu. 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 Quand on sera sur place, tu n'as pas intérêt à sortir ta pelle anti-incendie pour passer à la télé. Je n'arrive pas à le tirer, Julie. On doit faire vite, Sam. Le sous-marin se remplit d'eau. Phoenix y arrivera, tu crois? Oui, Phoenix y arrivera. Il est assez puissant, mais on ne pourra pas le faire venir à temps. Il existe bien un autre engin qui serait capable de soulever ce sous-marin.
Regroupez-vous et ne vous approchez pas du lac. À cette distance, vous serez en sécurité pendant le sauvetage. Mais où est passé mon submersible 2000? Je pense qu'il est probablement tout au fond du lac, Joe. Oh, misère! Oh, misère! Oh, misère! Je t'envoie le treuil, Sam! Ça y est, on est prêt, Tom! Nicolas, tu es en sécurité. Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous? Non, Elvis, je crains malheureusement que ses jours de gloire soient derrière lui. Plus vite, Mathieu! Le prince ne va pas nous attendre! Ne regarde pas en bas, surtout! Oh, non, j'ai horreur! Oui, on est au courant! T'as horreur de traverser des ravins accrochés à une corde, mais t'es presque arrivé! Et voilà! Et maintenant, les amis, à mon tour. Je vais vous montrer comment font les vrais baroudeurs. Continue comme ça! Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton? Quel mouton? Apparemment, il grignote la corde. Non! Allez, allez, va-t'en! Tu n'es pas le bienvenu ici! Va plutôt brouter de l'air! Oust! Vas-y, Tom! T'es un vrai baroudeur! Je me suis blessé à l'épaule. Je ne pourrai pas remonter. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sam le pompier. Je ne vois absolument rien avec tous ces gens. Moi non plus, Gaston. Moi, oui. Grâce à ma super longue vue 2000. Alors que font-ils? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince. Oh! Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion. Oui! Oh, elle doit être contente! Depuis le temps qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé. Oh, ils vont sortir. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Bien reçu, chef. Mais chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère? Moi. J'ai mon brevet de pilote. Oh. Oh. Je vais tenter de m'approcher le plus possible. On y est presque. On doit les retrouver. Viens avec moi, Lizzie. Les traces de pieds et de sabots vont dans cette direction et d'après cette marque au sol, je dirais que Marie et le cheval ont violemment glissé dans la boue et qu'ils sont tombés dans le ravin sur ce rocher. Les voilà, ils sont là! Il n'y a pas de temps à perdre, il faut appeler Sam! Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route, dans les collines de Pontypandy. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Pontypandy.
Sois prudent, Julie. Le sol est boueux et instable là où nous allons. Doucement. Marie, est-ce que tu es blessée? Sam est prêt. La civière est prête. Alors c'est parti. Oh, comment va le cheval? Il avait très très peur, mais je l'ai beaucoup caressé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Oh, c'est très bien, Marie. Le cheval est resté très calme. Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien. Tu es prête, Marie? On va te remonter. Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière. Allonge-toi sur le dos, Marie. Le cheval va bien. On est prêt. Tu peux envoyer le treuil. Oh! C'est le bruit qui fait peur au cheval. Arrête le treuil! Ah, là, voilà. Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles. Mais fais très doucement, d'accord? Là, oui, c'est bien. Tout va bien. Voilà, il est sauvé. Merci, Lizzie. Attention, maman! Il y a un arbre juste là! Oh, il n'y était pas la dernière fois! C'était quand? Il y a 10 ans! Oh! Fred, maman! Fred! Cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Nicolas et Denise Prime sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois. Oh, les pauvres! C'est l'heure de votre dernière activité, la balade à bord de Wallaby 2. Oh, ça va être vraiment super génial! Oh, j'ai hâte d'être à bord! Oh, j'adore Wallaby 2! Nicolas et Denise Prime sont coincés dans un arbre à l'intérieur de leur voiture, au-dessus d'un ravin dans les bois! Viens avec moi, Elvis! J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage! Écoutez, les jeunes cadets, on retourne au centre! Quoi? Alors ça, c'est vraiment pas juste! Qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère. On s'est équipé, Top. On arrive bientôt. Terminé. Le ravin est droit devant. Terminé. La voiture risque de tomber à chaque instant. Je vais commencer par la sécuriser et ensuite, on pourra secourir Nicolas et Denise. Sam, Elvis, attention, je vais vous descendre. La voiture est sécurisée. Nicolas et Denise, ne bougez pas, on vient vous chercher. Ça va aller. Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles pendant qu'on ouvre les portières. Tu es prêt, Elvis? 1, 2, 3. Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture et vous attacher avec un harnais. Vous êtes prêts? Très bien. Accrochez-vous. Tout va bien. Tu peux nous remonter. Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier.
Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse, à bord de Neptune, pour capturer des insectes extraterrestres. Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah se dirigent vers le large à pleine vitesse, à bord de Neptune, pour capturer des insectes extraterrestres. Oh, je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres. Bonne mémoire. Bien, mon commandant. Regardez, Terre, droit devant. Mais tu vois bien que c'est le phare et pas le port. Et on pousse droit sur la falaise. Ah, Sarah, tourne. J'ai du mal à piloter parce que les vagues qui sont trop grosses. Mathieu se retrouve accroché à tribord. Plus maintenant. Allez. Sam, je ne les aperçois nulle part. Attends. Règle numéro 1 d'une opération de recherche, prendre de la hauteur, car plus on est haut, plus on voit loin. Entendu, Tom? Ça y est, je les vois, ils sont du côté du phare. Mathieu est tombé à l'eau. Dépêchons-nous de lui porter secours. Vas-y, Mathieu, essaye d'attraper la perche. Je n'y arrive pas. Voilà, les secours. Prends la sangle de hissage. On n'a pas le temps. Tonton Sam. Je te tiens, Mathieu. Laisse-moi les commandes, Sarah. Accrochez-vous, les enfants. Tu peux nous électroyer. Tout va bien, Julie? Tout va bien, Sam. Je vais ramener les autres au port. Bien. Que le spectacle commence. Bonsoir, Ponty Pandy. Je te félicite, Elvis. Oh oui, félicitations, Portillon. Je n'ai jamais douté de toi. Bien, c'est terminé. Maintenant, on rentre à la caserne. Bon, maintenant j'espère que Max fera aussi bien que moi. Bonsoir, Ponty Pandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh, oh là là, oh là là. Oh non, Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, attends. Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis,
Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Mais tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Ouais. On devrait vite prévenir Sam les pompiers. On peut pas. La radio, elle est dans la tente. Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentrés! Ah! Oh! Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour deux personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh, alors, mais d'où viennent ces voix? Il faut avoir plus d'experts qu'un seul.
Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces deux experts. On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Sam! Ah! On est là! Sam! Sam! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi! Toute la montagne se met à trembler! On sera bientôt sortis grâce à Sam! Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? C'est si calme et si agréable. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier! Bip bip bip! Bip bip bip! Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh! 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 Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joanneaux. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Je suis prêt, Sam. Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants! Un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Sortir de ton côté, Sam.
Julie, on passe au plan B. D'accord, pas de problème. Plus vite, Ben. Attention, bloc de glace flottant. Sam, Titan est bloqué par la glace. D'accord, bien reçu. Tom, tu m'entends? On va avoir besoin de Wallaby 1. Je décolle tout de suite. Je n'aime pas les trains qui sont en feu. Et sans conducteur. Nico Mico, il faut que tu fasses quelque chose. D'accord. Nico Mico va téléphoner à ma... Je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire. Je te signale que c'est ta chaussure. Alors, je voulais clair, vous les carabines, je voulais un petit clair. Nicolas, ce n'est pas le moment de... Je suis au téléphone. Vol au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Nico Mico, regarde! Ils ont entendu ton appel! Ah, une soucoupe volante! Une soucoupe volante! Des extraterrestres! Au secours! Oh! Nicolas! Chut! Je veux pas que les extraterrestres me trouvent! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige! Dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam. Tu es prêt pour les Jeux Olympiques. Oh, il y a un extraterrestre sur le toit. Je le savais. Oh, attention, Nicolas. Oh, j'ai perdu ma pagaie. Je vais arriver à la récupérer. Oh, oh non, moi aussi j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Oh, au secours. Oh non! Sam, au secours! On peut pas revenir! Oh! 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 Attrapez cette corde! Oh! 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 Merci beaucoup, Sam! Merci beaucoup! Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolé, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas! Oh non, il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord, voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Aïe. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin... Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, je... Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin! Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Oh,
Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle.